Hello, hello tout le monde, c'est Lynn. Et bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Winter Project. Et un épisode qui sera l'avant-dernier de la saison. Pourquoi? Parce que vous le voyez juste là, nous sommes jour 6, il est 16h et aujourd'hui on va travailler sur la base de défense pour notre horde. On fera dans le prochain épisode la horde qui sera le dernier, mais j'ai envie de voir ce qu'est une horde sur Winter Project. En dehors de ça, on a découvert le mode d'Undead Legacy. Si vous n'avez jamais vu la série, allez voir, c'est un mode qui me plaît beaucoup, qui est plus tourné lui sur le craft et qui m'intéresse beaucoup. Et donc j'ai envie au moins d'aller faire quelques épisodes, une petite saison de ce côté-là, pour voir ce qu'il en est, et je suis assez bien emballée. Donc voilà, allez voir la saison si jamais ça vous intéresse. On a un peu avancé, donc on a posé le cement mixer, j'ai déjà commencé, non c'est la workbench, j'ai déjà commencé à faire du concrete mix. J'ai passé la journée à, enfin la journée, la nuit à farmer. Donc ici ce qu'on va faire, on va se faire un arc assez bon level pour la horde. Voilà ce que j'ai fait dans les forges, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, ça c'est pas mal. Comme un petit arc pour la forge, ça c'est pas mal. Alors oui, dans la workbench ici, c'est des wrench qu'on met. Le truc pour l'électricité et le tool and die set, pourquoi pas. Alors dans le cement mixer, il n'y a rien vraiment qui change. Ici, dans les forges, ce que j'avais fait, celle-ci, je l'avais utilisée juste pour la pierre parce que j'avais vraiment besoin de beaucoup, beaucoup de pierre. Et ici, on avait besoin de fer. Donc on a fait les rebar frames, on a des arrowheads, j'en ai fait 200, on a des phasers. Donc est-ce qu'éventuellement on peut se faire des arrows, mais en... Ah, vous savez quoi, on va manquer de bois en fait, hein. On va manquer de bois, ça va être le bois notre problème. On va en faire une centaine pour le moment, on va garder le bois, on va aller voir dehors. Je crois que j'ai pas d'arbres qui sont prêts. Donc là, on va avoir un petit peu de mal. Alors, on va prendre ça. On a normalement encore une petite wrench ici. N'importe laquelle, hein, c'est juste pour construire. Ça ira plus vite. On n'a pas de nail gun, hein, dans cette partie-ci. On a une partie nail guns, mais c'est tout. Alors, on a de la cobblestone rock qu'on avait fait. Alors, avec la cobblestone rock, on va faire des blocs. On va partir sur une base assez simple, puisqu'elle ne sera pas réutilisée. Une base avec des piliers. Donc, on va faire 5 piliers qui vont être reliés au-dessus, et comme ça on va pouvoir aller de pilier en pilier pour les tuer. Éventuellement, si on a le temps, j'avais déjà commencé à faire des spikes, mais vu le peu de bois qu'on a, je pense que ça va être les seuls, à moins qu'on sache casser des trucs qui nous donnent du bois. Ouais, des chaises, on n'a pas des chaises ici dedans? Qu'on aurait gardé, ouais, deux chaises, c'est pas grand-grand-chose. Et ici dedans, ouais, pas grand-grand-chose en bois, hein. Et ça, malheureusement, ça va compliquer un tout petit peu les choses. Alors, que je reprenne mon petit dessin, on va commencer par faire un petit support. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fois 7, ouais, 40. Combien on peut en faire, là? En bloc, comme ça? Alors, vas-y. On va en faire une... Ouais, est-ce qu'on veut faire tout en... En fait, ce qui se passe, c'est que... on va faire une quarantaine. Non, quarantaine, j'ai dit. Ne commence pas. Du fait que c'est de la neige en dessous de la base de défense, j'ai envie de prendre quelques petites précautions en soi. Ou si les zombies viennent à passer au niveau du bloc que je mets, eh bien... Oh, ben ça va, on a un petit arbre. On sera vite ennuyé. Donc, on va le casser, lui. On n'aura pas le temps. 300, c'est pas grave, on va le récupérer. Hop là, au moins celui-ci. Les autres, on va les laisser là. Ça nous donne une graine, donc ça, c'est l'avantage. Voilà, s'il te plaît. Toi, tu m'as pas l'air d'être encore assez grand. On a notre maïs qui commence à pousser tout doucement. Est-ce qu'on peut faire des recipes de seed? Merci bien. On va faire comme si... Alors, par contre, ça, tu vas peut-être mettre après. On va pas faire ça tout de suite. On va faire comme si on continuait la partie, hein. On va pas se dire, voilà, on arrête la partie, donc on s'en fout de tout le reste. Non, non, on fait comme si, comme si. Alors, on va se mettre ici. Bon, ça me paraît un endroit comme un autre, hein, pourquoi pas. Ok, donc on va se mettre ici. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer à marquer notre terrain. Donc, on va la faire comme ça. Hop. Avec des wood frames, peut-être ce sera plus facile pour marquer. Ah oui, comme ça. Ok. Donc, on va faire ici un pilier. On va faire, je vais faire 1, 2, 3, un pilier. Ouh, ça me paraît petit, ça en fait. Là, en fait, sur papier, je me suis dit, ouais, c'est sympa, mais vu comme ça, c'est un peu petit. Alors, ce qu'on va faire, 1, 2,
3, un pilier. Ok. Puis 1, 2, 3, un pilier. C'est ce que c'est bon. Donc 1, 2, 3 entre. Non, tu l'as, tu n'es pas bon. Tu recules de 1. Ok, 1, 2, 3, un pilier. Très bien. Donc ici, 1, 2, 3, un pilier. Oui, ça, ça me paraît déjà un petit peu plus. 1, 2, 3. Attends. 1, 2, 3, un pilier là. 2, 3, un pilier ici. Oui, ça me paraît déjà un peu plus confortable. On sera toute seule, mais. Ouais, ça me paraît bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est autour de chacun de ces piliers, on va mettre de la cobblestone. Il n'y a pas besoin d'en mettre partout, mais au moins autour de tous les piliers. Et on va enterrer le pilier, le bloc ici en dessous va être également en renforcé. Hop, alors j'avais fait du rebar pour que nos piliers soient un petit peu plus forts. On va faire ça comme ça. Du coup, hein, 1, 2, 3... On va faire ça, 1, 2, 3, donc ici, voilà, donc ça va aller comme ceci, voilà, très bien, on va faire ça pour garder la notification d'où on doit le faire, voilà, hop, ici, hop, 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 voilà, voilà, et ici. Donc ça, ça va être les pieds de nos piliers et toi là. Hop. Voilà. Hop, j'ai l'impression qu'ici c'est 1, 2, 3. On n'est que 1, 2, 3, 4. Ah oui, il me semblait bien, ça ne va pas ça. Parce que regardez, 1, 2, 3, 4. Et ici, 1, 2, ouais, voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous voyez pourquoi il faut toujours recalculer une deuxième fois hein. Voilà. Par contre, toi, t'es plus bon, du coup. Si, 1, 2, 3, ici. 1, 2, 3. On recommence. Donc, à partir d'ici, 1, 2, 3. Ici, on est censé avoir un pilier à 3. Donc, 1, 2, 3. Ok, donc c'est celui-ci qui est mis. 1, 2, 3, pilier. C'est ça. 1, 2, 3, pilier. Non, pas un pilier, là, mais bon, l'espace. 1, 2, 3, ok, là. 1, 2, 3, pilier. Donc celui-là, il est bon. Très bien. Donc 1, 2, 3, celui-là, ici, c'est la bonne distance. Par contre, tu as 1, 2, 3, pilier. Tu es censé être à partir d'ici. Donc toi, tu es bon. 1, 2, 3, pilier là. 1, 2, 3. Donc toi, tu es censé aller là. Voilà. Comme ça. Bon, c'est pas grave, on mettra de la flagstone, c'est pas plus mal. Donc là, on est bon, cette fois-ci. Ok, on est bon, on est bon. Alors, la flagstone, normalement, elle doit être faite. On va plutôt mettre ça ici dedans. Alors, la flagstone, autour des piliers ici. Juste pour les protéger, hein, parce que la neige est vraiment très petite, très fine. Au moins comme ça, notre concrete aura le temps de sécher. Hop, voilà, on va commit à ça. L'idéal, ce serait de trouver plein de bois. On va passer la nuit, alors du coup, plutôt qu'à se faire des iron bars, on va passer la nuit à chercher du bois pour faire des spikes. Je pense qu'on aura plus besoin d'aide, point de vue flèche et spike, que d'iron bar. Je pense... que ça va être mieux comme ça. Alors, toi, là. Hop. Voilà. Donc, toi, on t'enlève. Hop. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, toi, on t'a bien mis là. Hop. À la base, je voulais mettre en flagstone partout, tout autour. Ah, mince, on a faim. Est-ce qu'on a encore à manger ? Je crois que j'ai encore des soupes à la base. Donc là, je crois qu'on est bon. Point de vue nourriture, je crois qu'on est... On est tranquille. Faudrait peut-être aller faire un petit tour. Parce que jour 7, normalement, il y a tout qui restack. Le trader aussi restack. Est-ce qu'on perd du temps pour aller au trader ? Ça, je ne sais pas. On va voir où on sera d'ici là. On avisera. Ce serait sympa, quelquefois, qu'on arriverait à trouver... On n'a pas de sous sur nous.
Bien. Donc toi, t'es bon. Enfin, bah non, t'étais bon, on pouvait. Mais j'en ai quelques-uns à la base de petits tokens de casino. Et donc, on pourrait facilement dépenser un petit peu. Vu les prix auxquels on achetait les choses, auxquels on a vu les choses la dernière fois qu'on a été, je suis pas certaine que ça vaille la peine de perdre du temps. Je préférerais à la limite perdre du temps. Et nickel, en plus on a bien compté notre truc. Je préférerais perdre du temps à récolter des ressources. Alors 1, 2, 3, 4, normalement c'est bon. Que d'avoir une hypothétique arme qui pourrait nous aider. Oh, t'as faim, ma grande. 1, 2, 3, 4. Voilà, on va regarder combien il nous en reste. 1, 2, 3, 4. Bien, ici. 1, 2, 3, 4. À la base, celui du milieu, je l'avais fait plus large. Je l'avais fait de 4 sur 4. Est-ce qu'on le ferait plus large? On pourrait à la limite. 1, 2, 3, 4. Il m'en manquerait 8. Ou alors on fait juste les coins. Non, il faut vraiment que le milieu soit rempli. Non, non, on va le laisser comme ça. On va le laisser comme ça. Alors, il faudra qu'on ait un chemin pour monter au-dessus. Alors, vas-y. C'est vrai que ça, j'ai pas pensé à me faire des ladders. Ladder. Alors on va en faire. Combien on peut en faire? 43, 3, 6. On va en faire 9. Pour avoir plusieurs chemins. Parce que si jamais il y a un pilier qui vient à tomber, on veut pouvoir monter par autre part. Hein. Si c'est le pilier sur lequel on a l'échelle qui tombe, on fait quoi? Et je préfère mettre des échelles que mettre, vous savez, les fameuses 4 blocs, 3 blocs, 2 blocs pour pouvoir monter. Quoique, en fait, les zombies aiment bien ce genre de petites constructions. Ça les fait tourner autour et tout ça, et ils aiment bien. On pourrait mettre des blocs de neige là, près. Pour refermer ici. Plutôt que mettre de la flagstone et garder notre flagstone. On pourra mettre la flagstone pour fermer au-dessus, comme ça. Hop. Alors, c'est de la totale improvisation. J'ai réfléchi un peu au modèle en me disant voilà ce que je veux, pour être certaine d'avoir assez de rebar. Mais pour le reste, j'avoue que j'ai pas plus réfléchi après ce qu'on fait pour défendre et autres. Hein. Et également les zombies qu'on va avoir. Parce que si on a les gros gros zombies, j'ai peur qu'on n'ait pas suffisamment de munitions. Franchement, j'ai peur qu'on soit juste. Alors, éventuellement, on pourrait faire un plus haut. Ouais, on va voir. Alors, on a 10 spikes. On a 10 spikes. Bien les choisir, hein. On va les mettre, mais vraiment bien. Donc on aurait 1, ok, 2, 3, 4, 5. Donc en tout, il nous en faudrait à la limite 5, 10, 15, 20, allez, une trentaine de spikes qu'il nous faudrait pour bien faire. C'est une petite base, hein. Donc là, ils vont venir sur tous les piliers sur lesquels on va être, hein. Donc là, y a pas de hasard. On va aller voir combien d'iron bar on a. Pour le coup, je n'aurai pas assez d'iron bar. J'en ai pas prévu après assez. Alors ça, c'est un zombie que j'avais tué. J'ai pas voulu le looter sans vous. On ne sait jamais ce qui nous donne. Et d'ailleurs, je crois qu'il y en a encore un ici qu'on avait tué. Hop là! Vous voyez, une canette de viande, de nourriture, ça fait du bien. On est à 4 en nourriture, donc ça fait toujours plaisir. Par contre, est-ce que on ne pourrait pas? Je sais bien qu'on n'a pas beaucoup de bois. Mais voilà. Réparons un rien. Oui, je sais, ma grande, tu as faim. Ce n'est pas grave. On va te donner à manger tout de suite. Voilà. C'est un peu la base de défense du pauvre. Mais quelque part, c'est ce qu'on est, hein. On n'est pas très très riche, donc voilà. Des iron bars. Alors, tu nous fais des iron bars. J'avais pensé à quelque chose d'autre. Je m'étais dit, mais tiens, ça on pourrait faire, et je sais plus quoi. Je ne sais plus quoi. Certainement pas du business class, du bulletproof glass ou quoi que ce soit. Et non, ça ne doit pas être. Ou alors, je voulais faire plus de rebar. Plus de. Oh non, attendez! Turn off. Spike.
On va peut-être faire des spikes en fer, on peut peut-être? 40. Attends, combien tu m'en sors, toi, si jamais tu fais ça? 400, ça fait 10 spikes. Et on a 37 iron bars. Et on a vraiment tout mis en fer qu'on avait. Il faudrait peut-être aller farmer un rien de plus de fer. Point de vue concrète, on a ce qu'il nous faut, hein, du coup. On ne doit pas aller farmer plus de... Attends, mange ton truc, là. On ne doit pas aller farmer plus de... Oui, voilà, vous avez compris. Hein, de pierre, on ne doit pas aller farmer plus. Donc, ce serait bois et ce serait fer. Alors, du bois, est-ce que, éventuellement, si je fais ça, si on casse... Ah oui, un. Oh mon Dieu, ça va nous... Ah, ça va nous aider des masses, tiens. Là, c'est du clos. Mince. Et ça, ça se cassait pas, hein, on est d'accord. Toi? Deux. Nickel. Bon, si on casse tout ce qu'il y a aux alentours, il y a peut-être moyen qu'on ait pour se faire un spike. Autant vous dire que c'est absolument pas utile. Ah, trois, ça. De toute façon, on joue sans les rip-up des choses, donc éventuellement, on peut passer là-dessus. Ça, par contre, ça va prendre plus de temps parce que c'est un évier. Ah, ça m'en donne qu'un, là. Ah, ok. Donc là, l'RNG fait que c'est même pas forcément toujours 3. Très bien. Bah écoutez, on va aller miner un tout petit peu... Non, c'est pas ici, ça c'est pour remonter. On va aller miner un petit peu de fer. On a la pickaxe et j'ai encore un alcool. Nickel. Je vous montre un petit peu ma petite mine, ce qu'elle en est devenue. Elle a un petit peu changé en soi, ou elle a été un petit peu utilisée. Et je suis passée sur le concrete et sur le fer, tout simplement parce que la clé est super difficile à trouver. Même si au final on a trouvé là-bas qu'il y avait un gisement, eh bien en fait les gisements sont vraiment spécifiques à ce jeu-ci. On les a pas, il n'y a pas une grosse quantité à côté. Donc c'était un petit peu plus compliqué. Et ça éventuellement, peut casser? Ouais, ça c'est du 200 par contre. Ah, mais ça m'en donne un pendant. Oh, et ça? Ah, mais ça, c'est du 400. Par contre, si ça me donne plein de bois, ça vaut peut-être la peine de passer son temps à ça. 2. Ouais, ça vaut pas la peine plus que ça. On va essayer de voir. Je crois que j'avais vu encore un arbre quelque part. Hop, bien ici. Hop, on va au passage regarder ça. Là, ça. Ça restack. Donc, éventuellement, on pourra venir chercher à manger pour la horde. On a restock jour 7. Oh mince, il est déjà 20h. Bon, attendez, on va faire l'aller-retour pour aller chercher des sous-sous. Voilà, on a les sous-sous. On achète toutes les soupes, on achète tout ce qui est nourriture. Les pastas, par contre, ça, super important. Et je suis même en train de me demander si j'achèterais pas au moins les bières. On a encore beaucoup de sous. On a encore beaucoup de sous. On va acheter les bières parce que tout simplement, c'est super intéressant de les avoir pour pouvoir miner beaucoup pendant la nuit. J'ai plus qu'un alcool, donc c'est vrai que ça peut être sympa. Alors, voilà la mine, ce qu'elle est devenue. Il y a des trous partout, mais vous voyez, on a masse de fer. Il y avait beaucoup, voilà. Il y a du gravier. Et alors, de temps en temps, vous voyez un peu de clé. Et là, par exemple, si je ne me trompe pas, ça, c'est de la clé. Non, c'est de la terre. Où est-ce qu'il y a de la clé? Ça, là? Non, c'est de la terre. Donc, vous voyez, hein... Non, c'est de la terre. Je ne sais plus où elle est, la clé. Il y en a un, pourtant. Je vous promets qu'il y en a un. Mais où, vous voyez, c'est tout des petits spots comme ça, avec juste un bloc. Et il faut vraiment le trouver et rester dessus et finir à fond. Il me semblait pourtant que j'en avais encore, que j'avais pas fini d'exploiter. Bon, de toute façon, on n'en a pas spécialement besoin, donc on ne va pas perdre plus de temps là-dessus. On a besoin de fer, max fer, pour la horde, bien entendu. Alors, on va prendre notre petit alcool. Yous, on a un peu soif, mais on a de l'eau avec nous. On va faire ça, on a de l'eau, hop,
pour passer la nuit et allons-y. La nuit vient à peine de commencer et j'ai déjà 337 cuirs sur moi, donc je vais aller gentiment les mettre dans la forge pour qu'ils fondent, parce qu'il faut encore les fondre et les faire passer en fer. Mais regardez surtout, ici en fait en faisant les canapés, je me rends compte que on a un bois quasi à chaque fois qu'on frappe dessus. Donc je me dis que c'est pas quelque chose de négligeable et qu'on va le prendre, on va le faire simplement. Hein. Alors il fait un peu sombre parce que bah, j'ai plus de bougies, mais je pense que vous arrivez plus ou moins à distinguer ce que je fais. Si pas, ben ayez peur avec moi. C'est aussi peut-être l'occasion pour vous d'entendre pour la dernière fois les gentils bruits du jeu. Voilà, hein, mais ces bruits-là, hein, ces bruits super agréables qu'on ne va absolument pas regretter. Et je me faisais la réflexion en fait que ces bruits, plus je joue, moins je les entends, sauf celui de l'enfant qui pleure. Hein. Ça, c'est, y a rien à faire, c'est vraiment un heartbreaking et à plus forte raison. On l'a pas looté. Ouais, bon, pas grand chose. À plus forte raison parce qu'en fait cet enfant, ce que j'avais pas remarqué, c'est que on l'entend qui pleure, mais surtout c'est quand cet enfant pleure. C'est du bois aussi. On l'entend en fait qui dit à un certain moment pendant qu'il pleure, c'est let go, let go. Donc en fait c'est comme si ce... Ça y est, tu me laisses parler. C'est comme si en fait il y avait ce démon, ce monstre qui était sur lui quoi et qui venait l'ennuyer. Donc ouais, c'est pas si sympa que ça. Par contre lui là, si on vient à le casser, on récupère quelque chose, non? On récupère du bois, j'imagine, si on le coupe à la stone axe, là. Voilà, 10 bois, les gens! 10 bois, c'est un spike en plus! C'est un spike en plus, c'est le début de la richesse, moi, je vous dis. Voilà, alors, du fer. On a un peu de clé dedans, donc normalement, ça devrait aller. Turn on. On a ceci, donc là, on est bon. Bah écoutez, maintenant, je crois qu'il faut qu'on récolte hein, des ressources, et on passe la nuit. Il est 4h. Les monstres sont encore là. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait pendant la nuit. On a récupéré un peu de fer, encore. Donc voilà, donc tout ça on va le faire sortir. On en aura besoin pour faire les spikes, pour crafter les spikes, et on en aura besoin pour les upgrader. Donc jusque là, ici, la forge ne sert qu'à ça. Ici, dans la workbench, par contre, je nous ai fait des petits cocktails molotov, je nous ai fait des petites pipe bombes, on a quelques spikes, et on a maintenant 204 flèches en fer. J'ai cassé tout le bois que je pouvais trouver. Alors, je ne me rappelais pas, mais ici, on a une petite arme aussi qui va être sympa et qui va bien nous aider pour la horde. Pour le petit greffe, alors lui, on va le garder, mais uniquement pour les cas de grande nécessité, vous voyez, les moments où on doit absolument se servir d'une arme à feu autre. On a notre pistole avec quelques balles, donc... Ah, on a une petite crieuse là dehors. Voilà, on va prendre ça sur nous. On va faire nos spikes avec, et ce qui reste à l'intérieur, on va le garder pour l'upgrade. Alors par contre, il est tôt pour sortir. J'ai peur de sortir maintenant et de me faire voir par quelqu'un de... par un monstre de la nuit. Ce serait moche en fait, hein. Vous savez quoi? Si on équipait déjà un peu notre arc. Ça peut être sympathique. Ça peut être à faire, à mon avis. Oui, il y en a là-bas. Donc je pense, tant qu'on s'approche pas d'eux, ça doit aller. Ah oui, il y avait une crieuse là, en effet. Ah oh. Oh oh. What? Non, il y a un gros machin. Ouais, il y a encore un machin. Je sais pas... Ah mince, elle a crié. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y avait un truc sur pattes là-bas. Oh purée, en plus elle a crié et il y a un peu de monde. Hein. Alors ce qu'on va faire, on va les éloigner de la maison. Ok, par là ça m'a l'air d'être des normaux, on va dire. On va aller s'occuper d'elle d'abord. Évidemment, elle est sur papate, sur patte cassée. Donc, elle ne va pas être facile à tuer. Elle va pas suivre. Oh non, pas par là! Non, pas par là! Non, viens par ici. On va essayer de la tuer, la crieuse. Mais sans aller chercher l'espèce d'insecte. Où est-ce qu'elle est? Où elle est, la crieuse? Elle est morte!
Elle est où la crieuse? Je la vois plus. Elle est où la crieuse? Oui, 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 merci, 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 j'ai compris. Ah, ah non, il y a un autre truc qui nous court après. On l'a vu, il nous a vu. Bon, au pire, croyez qu'on peut le tuer, lui? Oh, je sais pas ce que c'est, en plus. Oui, 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 compris, 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 je vais payer, machin. Et c'était pour un de ces trucs-là qu'on avait un hunting rifle. Le problème, c'est qu'on l'a pas, là, l'hunting rifle. Par contre, tu vas boire un peu. Bois un coup, vite, 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 vite. Voilà. Est-ce qu'on a des bières sur nous? Bon, eh ben, vous savez quoi? Moi, je vous propose qu'on aille tester notre base, hein. Un petit peu plus tôt que prévu, mais au moins comme ça, on verra si ça tient. Oh, j'ai cru voir un truc dans le ciel. Non, vous avez pas vu le truc dans le ciel. Oh, si, elle est là, elle aussi. Oh non, regardez. Bon, autant vous dire qu'on est mort. Là, je crois qu'on va pas s'en sortir. Parce que... Ouah ! Ça, je crois qu'il faut quand même quelques centaines de flèches pour la tuer. En plus des flèches en pierre. Oh, en plus, elle est pas vulnérable partout. Oh, aïe, 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 aïe. Non, 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 non. Cours, 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 cours. Mais arrête, cours! Avance! Bouge tes fesses! Bouge tes fesses! Ça, en fait, je crois que c'est pas... Bon, elle a pas l'air de venir près de nous, elle. Elle a pas l'air, j'ai envie de dire, mais l'air ne fait pas la chanson. Tu perds tes cheveux? Ça me fait un peu peur, ce machin-là. Fait un peu peur. Oui, oui, un petit peu beaucoup. Bon, moi qui me disais, j'étais fière parce qu'on avait, on avait pu passer en fait la saison sans se faire attaquer par des monstres pareils parce qu'on était tout simplement pas sortis. On avait été intelligents et pas sortis la nuit, tout ça, tout ça. Eh ben, en fait, rien à voir, hein, voilà. Ah ! Oh oh ! Oh oh ! Bon alors. Toi, là. Oui, là-bas. Vous, là-bas. Ok. Ça fonctionne. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Quoi? Ah, je t'avais pas vu, je te voyais plus. Oh non, elle se multiplie, on en a deux maintenant. Va-t'en. Ah, ah si, accroupie. Quand elle nous attaque, on s'accroupit. Ça a l'air de fonctionner. Et si on rentrait dans la maison, vous croyez que... Aïe, ça va, c'est pas nous. C'est le corps en bas qui prend des dégâts. Oh là là. Ok. Ça me fait penser au vautour, en fait. On l'a eu ! On l'a eu ! Non, mince. Ouais, je sais que t'as envie de me tuer, mais pour me tuer, faut... Faut... Oh, oui, moi aussi, j'ai envie de te tuer. Il faut rien. Bon, je te permets pas. Hein. Moi, j'ai mes cheveux qui sont propres, au moins. Et, Donc, en fait, les 200 flèches qu'on avait pour la horde vont passer là-dedans, c'est ça? Oui! On l'a eu! On l'a... On l'a eu et elle nous a donné. T'es sérieux que ça nous a donné juste du charbon? C'était quoi ça? Oh, un petit kitten! Oh, un petit chaton! Je suis dégoûtée. Là, personnellement, je suis mais vraiment dégoûtée. Et, attends, il n'y en avait pas un deuxième dans le ciel? Non. Bon, je suis contente, c'est que l'espèce d'insecte qui nous courra après, eh ben, il nous court plus après. Ça, par contre, je suis contente. Alors, ce qui m'explique pas la crieuse où elle est partie, je sais pas. On a peut-être pas envie de le savoir, en fait. Ouais, en fait, on n'a pas envie de le savoir. Alors, on va faire ça. Hop là. Combien de spikes on a, au final? 13.
croyez que c'est bon signe, 13. On va le mettre ici au milieu. On va peut-être les mettre au fur et à mesure. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok, bon, j'ai semé la neige parce que je peux pas la porter, mais bon, ça, c'est pas bien grave. Quoi, je peux pas? Pourquoi je peux pas la mettre là? Pourquoi je peux pas le mettre là? Ah, parce qu'il y a des trucs au sol. C'est une blague. Qu'est-ce qu'on n'a pas besoin? On va mettre les spikes, tiens. Voilà, ceux-ci, on peut les mettre. Hop, on va mettre ça là. Au final, ils sont avérés utiles, hein, ces spikes-là. On va pas cracher dessus. Voilà, ça, c'est bon. Maintenant, on peut faire aspirateur et récupérer tout ça. Vous savez, de la neige. Vous savez ce qu'on a besoin, là, parce qu'on a tellement peu à perte de vue. Voilà, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors maintenant, est-ce que je peux mettre mes spikes? Ou... je pourrais toujours pas le mettre là-bas parce qu'il va pas vouloir. Ouais, voilà. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tout va très bien se passer. Alors ici, il faudra qu'on crave des blocs de neige, du coup. Hop là. Hop là, il nous en reste un. Mais je pourrais le ramasser, en fait, hein. Il me reste une place. Ah bah, il a des pops. Nickel. Par contre, pour nous monter, du coup, on doit passer au-dessus des spikes. Il va falloir faire un petit peu de gymnastique et bien viser. J'ai eu peur avec... Je me suis dit, non, il est revenu. Entre les spikes, là, et celui-là, il va falloir vraiment prêter attention. Alors, vous savez quoi? Je ferai bien des spikes ici, avec ça. Est-ce que je fais 13 spikes en plus? Ouais, allez, on va les faire. Tant pis, on va les faire. Alors, on a des iron bars pour nous au-dessus. Ah non, il est revenu l'autre, là! Combien on a utilisé de flèches? Ouais, une trentaine quand même, hein, sur ce machin. Allez, viens me chercher. Ah! Vous savez quoi? On va essayer de descendre dans la maison. Voir si éventuellement, il m'oublie ou pas. Est-ce qu'il attaque la maison, vous croyez? Ah, je voudrais prendre les arbres, en fait, avant. Est-ce qu'il m'oublie? J'ai pas, en plus, l'impression d'être... Je suis pas détectée, en plus, hein. C'est comme si je l'étais pas, en fait. Donc, ça, c'est bon signe. Je sais plus où il est. Je l'ai perdu de vue. Ah, il est là-bas, derrière les arbres. Ce que je ne vois pas ne peut pas me faire de tort. Je crois. On va dire ça comme ça, je crois. Alors, ici... Toi, viens là. Si on m'avait dit que mon épisode se passerait comme ça, je ne l'aurais point cru. Je ne l'aurais point cru. Ouais. Ouais, 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 ouais. Là, on récupère plein de bois, donc ça, c'est sympa. Il est toujours là, hein. Ouais, il est toujours là, hein. On voit toujours son ombre sur... ouais, il est là. Non. Oui, I see you, oui, I see you, you see me. Et c'est tout. Voilà. Tu t'en vas. Voilà, tu me vois plus. Non, tu me vois plus. Non, tu me vois plus. Non, tu me vois plus. Non. Je vais pas utiliser 30 flèches sur toi maintenant. Je les utiliserai ce soir, 22h, rendez-vous. Comme tout le monde, hein. L'early access, c'est pas maintenant. Non, j'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non. Hop, on va le mettre là, lui. J'ai dit non. On va voir s'il attaque la maison. Parce qu'en soi, il m'a pas fait plus de dégâts. Ah, ça, c'est la crieuse qu'on a tuée... Ouh, miam miam, la crieuse. Bon, attends. Comme quoi, j'ai fait fonctionner les forges, j'ai eu deux zombies. Et ici, j'en ai une qui fonctionne, j'ai une crieuse. Ça va, bizarre. Alors, toi, tu fonctionnes toujours. Dis-moi qu'on a encore plein de fer en magasin. 600 et quelques, ça, c'est pas grand-chose. Alors, on va remettre, j'ai racheté, comme on est jour 7, j'ai racheté les trucs aux machines. On se mette full pour la horde, hein, quand même. Ce serait sympa que nos personnages soient full. Hop là, vas-y. J'aime pas les soupes parce que ça la fait boire. Et si elle boit, en fait, je peux pas lui faire boire d'eau si jamais elle a plus de stamina et tout ça. Mais bon, tant pis. Ça, ça va lui enlever un peu d'hydratation, donc c'est parfait. Et on va regarder ce petit kitten, là. Où est-ce qu'il est, le kitten? Ah là. On peut le poser par terre? Oh! T'es sérieux? Oh, mais il est tout mignon! Oh, mais reste là, petit! Oh, mais reste là, petit!
Oh mais qu'il est tout mignon, tout petit, tout petit. Oh mais t'es sérieux? Bon ben reste là, hein, sinon il dort, il fait pas joli pour les petits chats. Dehors, ça se fait pas pour les petits chats, regarde. Attends, est-ce qu'on peut te ramasser? Voilà. Ce qu'on va faire, on va te mettre à côté de la forge. Comme ça, t'auras bien chaud. Regarde, ton panier, il est juste là. Non mais, bon, c'est pas grave. Surveille le sémade mixeur, hein. Je peux plus aller dans la forge. On en parle? Voilà, voilà, on va te mettre là plutôt. Je sais pas si c'est à cause de lui que je pouvais plus aller dans la forge, en fait. J'ai ma forge qui est buggée! Oh non! Non, 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 pas maintenant, j'ai ma forge qui est buggée! Oh non! Oh non, t'es sérieux? Je peux pas aller dans ma forge! Oh non! On vient de relog pour voir... Oh. Je préfère ça. Je préfère ça, mais de loin. Alors, on va essayer maintenant, du coup... on va faire ça... On va essayer maintenant de retourner finir notre base. Apparemment, il n'a pas l'air d'attaquer, hein, le monsieur... la sorcière ou le machin qui vole, là. Ça n'a pas l'air de me dire... Où que tu sois, je te trouverai. Ça n'a pas l'air. Non, ça n'a plus l'air. Alors, ok, ça va, il est parti. Il a passé son chemin. Nickel, là-bas, il y a encore un arbre, si jamais on a besoin. Tiens, on peut encore faire quelques spikes, là, ceux-ci. Alors, on va en faire une dizaine. On va garder un tout petit peu de bois, hein, n'empêche, quand même. Alors, les iron bars, s'il te plaît. Ah, mais non ! Ah, Spider-Man, le retour, là. Non, va-t'en ! T'as pas une autre bataille à faire, non ? Voilà, donc, si on fait ça, alors, il faudrait, pour bien faire, au minimum, qu'on ait le tour de celui-ci qui soit bon. Voilà, attention Spike, je pense qu'on n'aura pas assez d'Iron Bar, hein. Ça on est, on en est conscient. Hop, 28, alors, si on fait ça... Hop. Malheureusement, je crois que ça va être un peu tard pour continuer à aller en farmer si besoin. Ok, combien il m'en reste? 21. Ici. Voilà. Alors éventuellement, ce qu'on pourrait faire, il m'en reste 17. Un au milieu. J'essaie de voir une fois qu'on sera en train de se battre, qu'est-ce qui sera le plus pratique et qu'est-ce qui sera le plus nécessaire. Je pense que ce qui sera le plus nécessaire, c'est de ne pas tomber. Donc sécuriser au minimum tout. Parce que si en plus on a un truc comme ça qui nous arrive dessus. Oh, ça va être sympa la horde. Ça va être sympa, moi je vous dis. Donc ici. Combien il m'en reste? 13. Décidément, c'est un chiffre. Voilà. Alors on va pouvoir en mettre un ici en plus. Allez, vas-y, tu peux le faire. Hop là. Il m'en reste 11. Le problème, c'est que si je fais... Si on fait ça... Voilà. Hop. Vas-y, hop. Voilà. On pourrait peut-être mettre une couche ici. Voilà. Derrière la... L'échelle. Voilà. Combien il m'en reste? 4. 4. Est-ce qu'il y a des façons intelligentes de le mettre? Je crois pas. Et là, tout s'effondre. Oh oui, en plus. Oh, ça, à chaque fois, ça m'arrive, ce genre de choses. Il en reste 2. Non. 2. 2, c'est pas beaucoup. Bon, alors, il faut qu'on casse tout ça. Hop. Pourtant, il est en concrete, lui, là. Ah, c'est l'échelle qui pose souci. Bon, déjà, mes spikes n'ont pas pris de dégâts. Donc ça, c'est déjà pas mal. Alors, on va finir ici, en dessous. On va faire ça. Hop. Ok. Les intérieurs, surtout, vont être faits avec des spikes. 10. Hop. Voilà. Et alors... On va le mettre ici, tiens. Il en reste quoi? 7. Bah 6 ici.
oui, là on les a pas mis encore. Oui, ah ben alors on les met là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et il m'en reste. Bon, tu peux encore en faire deux peut-être? Ok, deux c'est bien. Deux c'est bien. Voilà, comme ça on aura un semblant de symétrie. Hop, encore un. 4 secondes. Très bien. Au pire, on va mettre des rebars. On va pas s'ennuyer avec les iron bars, on va mettre des rebars. Copie, rotation, c'est ennuyant, c'est les rebars, c'est que on pourrait peut-être les pick-up si on ne fait pas attention. L'avantage, c'est qu'on pourra, allez, viens ici, en mettre partout. Allez, pick-up! Voilà. Hop là. 1, 2, 3. Est-ce qu'éventuellement... Ok, non, on peut pas. Alors, 1, 2, 3. J'ai pas envie de les upgrade, en fait. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou au pire, on pourrait upgrade tous ceux qui sont juste... Mais en final, on saura pas frapper ceux qui sont là. On va voir. Alors, ici... Let's go, on va améliorer ce qu'on peut. C'est tout? Ah, j'allais dire. J'en avais prévu un petit peu plus quand même. On va faire tous ceux qui sont autour. Hop là. Si je me fais mal, c'est normal, hein. C'est juste pour tester que les spikes vont bien. C'est rien de plus particulier que ça, hein. Ah, t'es sérieux? Je me suis pris des dégâts de wellness à cause de ça. Combien il m'en reste? Vous savez quoi? Avec ce qui reste, on va faire des spikes. Très bien. Je serais plus à l'aise avec des iron bars quand même, mais bon, tant pis, on fera ça. On a des spikes en bois à poser. On a des spikes en bois à poser. Posons-les. Hop, ici, on peut poser ça là. Hop là. Ça, là, là il y a une échelle, donc on va éviter de les mettre là. Et ici, combien? Deux. Voilà. Bah, en fait, il est quoi? Il est 8 h du matin. Donc moi, ce que je vous propose, les gens, c'est que on arrête ici l'épisode d'aujourd'hui. Je vais vite aller refarmer un petit peu pour voir un peu ce qu'on peut faire avec ce qui nous reste. Et on se retrouvera dans le prochain épisode pour la Horde. En attendant, je vous fais plein de bisous, bisous tout le monde, et je vous dis à bientôt. Bye bye.